Je suis déjà en direct. Yes! Ok, on va faire quelque chose ensemble parce que je t'invite à quelque chose. Attention. Oh, je ne sais même pas si tu me vois. Attention. Attention. Va faire un petit chimie, d'accord? Attention, un petit chimie. Chimie, 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 chimie. Hop. Un petit cercle. Petite ondulation. J'adore danser. Pourquoi j'adore danser? J'adore enseigner danser. La danse, pas français ça. J'adore. Et pourquoi j'adore? Parce que quand tu danses, tu as cette musique et tu oublies tout. Tu as juste la joie, tu as juste quelque chose à l'intérieur qui, ça lâche tout et puis ça, c'est dans cette joie. Et si tu fais ça pendant 1 heure, si tu as 7 jours dans la semaine, mais 1 heure est consacrée à ce bonheur, cette joie, cet enthousiasme et de la musique qui est absolument magique. Et bien sûr, quand tu danses, tu n'as pas besoin, tu ne vas pas forcément être dans une joie comme ça. Tu vas peut-être être dans quelque chose de sensuel ou dans quelque chose de tellement sacré que tu t'arrêtes. C'est absolument complet. Et moi, j'adore ça depuis toujours. Je t'invite parce que je vais donner un stage lundi. Et le groupe Facebook, ça vient avec un groupe Facebook parce que j'adore aussi les sororités. Le groupe Facebook a ouvert ses portes aujourd'hui. Je t'invite de tout cœur à venir expérimenter ça. Je ne connais presque rien qui est aussi magique que ça. C'est une passion que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à danser avec le ballet et à 23 ans, j'ai découvert la danse orientale. Et chaque jour que j'ai dansé, que j'ai enseigné, chaque fois que je vais dans cette énergie, il y a quelque chose de plus en plus fasciné et de plus en plus passionné. Parce que la danse orientale, peut-être que tu la connais danser, peut-être tu as été à des cours. Moi, j'ai découvert que c'est un vrai médicament, c'est une thérapie, c'est quelque chose d'absolument sacré, qui a le pouvoir de te connecter à quelque chose de sacré à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. J'ai dit, comment est-ce que je peux exprimer ça? Comment est-ce que je peux apporter cette lumière que j'ai à l'intérieur, ce sentiment de joie? Comment est-ce que je peux l'exprimer? Et bien sûr, tu vas pouvoir trouver beaucoup d'autres formes de danse et, ou de artistique ou n'importe de quelle manière tu exprimes et expérimentes cette joie de vivre. Hein? Mais la danse, telle que je l'enseigne, en tous les cas, elle est absolument magique. Quand les femmes viennent à mes cours, elles ont des expériences de quelque chose de différent. C'est indescriptible parce que bien sûr on va bouger, mais en bougeant on va se rendre compte qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur qui fait bouger le corps. Et ça, c'est un miroir de où tu es, qui tu es et de ton passé, comme un livre ouvert que tu peux apprendre à lire. Et que tu peux le sentir. Tu peux aussi, à travers les mouvements, dissoudre les nœuds, guérir le passé, te dire, OK, le passé est passé, il ne me pèse plus, je suis libre. Et aussi, de cette manière-là, en tous les cas, je l'explique dans mes cours et pendant le stage, tu vas comprendre comme si le corps est ton miroir. Et réellement, ta vie est reflétée aussi là-dedans. C'est magique. Je ne peux pas expliquer ça en un mot. Je peux te le faire sentir. Une fois que tu l'as senti, personne ne te prendra jamais ce que tu as expérimenté. Personne ne peut te prendre ce souvenir-là. Une fois que tu as senti ça, et si ce n'est qu'une seconde, ça vaut de l'or. En tous les cas, là, je parle de mon expérience. Et j'ai vu les femmes se transformer. Waouh! Waouh! J'ai été témoin de tellement de transformations à travers juste mes cours. Maintenant que j'ai
fais toute une analyse de qu'est-ce qu'il y a de si sacré dans cette danse? Qu'est-ce que c'est le féminin sacré? Qu'est-ce que c'est tout ça? Maintenant, quand je donne cours, je peux te l'expliquer. Et quand tu deviens consciente des choses que tu vis déjà, que tu connais déjà, tes puissances, les pouvoirs que tu as d'une manière inconsciente, quand tu deviens consciente, quand tu peux verbaliser cela, waouh, ta vie change. Ta vie change totalement. C'est un processus. Ça ne va pas changer comme ça, comme ça. Ça demande du courage. Ça demande une pratique. Mais lundi en pratique, viens. Je t'invite, viens. C'est quelque chose que je t'offre comme expérience, mais que je veux que tu puisses. Moi, essaye, tu sais, comme aux enfants, quand tu leur donnes un repas et tu dis non, l'enfant dit, oh, ça, je ne veux pas manger. Et tu dis non, tu dois au moins goûter, au moins goûter. Peut-être tu vas aimer. Viens, goûte. Parce que moi, je peux te dire que c'est magique. Peut-être c'est pas le bon moment pour toi. Peut-être c'est pas la bonne forme pour toi pour te connecter. Moi, ça l'a été pendant tellement, tellement, tellement d'années. Donc, je t'invite, viens, viens, inscris-toi. C'est un stage gratuit, oui, ben voilà. Pourquoi gratuit? Parce que j'ai cette joie de vraiment le faire découvrir à toutes les femmes qui connaissent pas ça, qui ont peut-être des concepts avec la danse orientale. Oh, je ne sais pas danser, moi, danse orientale. Non, oublie, oublie, oublie tout ça. Tu sais danser, tu as la joie de vivre, tu as un corps, tu as un souffle, tu sais danser. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Rien. Et le reste, c'est moi qui t'apprends. Et toi, tu pratiques. Facile. Mais cette joie, là, on peut la partager. Donc, inscris-toi, réserve ta place. La fois dernière, j'ai fait ça au mois de mai, on avait déjà 300 personnes. Ici, on est déjà 300 personnes. Jusqu'à lundi, ça va être peut-être plus. Et donc, on va avoir une énergie là dans cette salle. Waouh! Je me réjouis de ça et j'espère que tu viens. Je t'invite de tout cœur et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je devais faire ce live parce que tellement ça déborde là. Aujourd'hui, le groupe Facebook ouvre ses portes, donc tu es la bienvenue. Je te souhaite une très belle journée. Je me réjouis beaucoup de te voir dans le groupe et dans le stage. Bye bye.